Oui. Oh. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur Patrick Chabin, le président de votre association, de m'avoir invité, et Madame Isabelle Arnaud-Dardy, agent du patrimoine, d'avoir remué ciel et terre pour que les choses arrivent. D'accord, j'appuie là-dessus. C'est le bouton du haut. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Merci bien. Et le son, il résonne un peu derrière. C'est Oui, c'est normal. normal. C'est normal, d'accord. Ok. Quelqu'un peut prendre la parole? Je ne sais pas. Oui, monsieur Chabin. C'est ça pour l'instant, mais sinon on peut allumer un comme ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave. De toute manière, ils entendront. On va les prendre juste avant la période postprandiale, parce qu'après, ils vont s'endormir. N'est-ce pas? Donc, réveillez-vous. Monsieur Jean-François Oudet, le professeur Jean-François Oudet, va vous parler du cosmographe. Et comme je vous mettais sur la convocation pour ceux qui la recevaient, mais pour les autres, en particulier, que j'ai prévenu ce matin à l'église. C'est tout ce que vous auriez voulu savoir sur le cosmographe que vous avez côtoyé dans le parc de votre école. C'est l'école de Sorèze, donc c'est l'école de tout le monde. Maintenant, c'est hyper intéressant, parce qu'enfin, on va comprendre qu'est-ce que faisait ce truc-là dans le parc. Espérons. Est-ce que, excusez-moi, mais on est obligé de dire ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui arrivent, qu'on va laisser s'installer. Et qui vont être toutoui, comme toutoui. Ils ont raison, de toute manière, à Sorèze, on a droit aux 10 minutes de retard. Merci. Maintenant, je laisse la parole à Jean-François Oudet, que je remercie d'avoir fait le déplacement, d'être venu. Je remercie Isabelle Dardy d'avoir hébergé Jean-François Oudet, de s'en être occupé dans le bon terme du sens et de pouvoir lui avoir donné toute la liberté de pouvoir aller voir les archives et de façon à pouvoir être très clair dans ses explications. Merci beaucoup et bonne conférence. Alors l'histoire commence à l'exposition universelle de 1855 à Paris. Le premier cosmographe inventé par Monsieur Ouvière de Marseille, a été proposé donc à cette exposition, où il est resté du 15 mai 1855 à mi-novembre 1855. Et par la suite, et d'ailleurs en même temps, Ouvière a aussi publié un ouvrage. Voilà la couverture de cet ouvrage, un ouvrage relativement petit, 32 pages, pas plus. Qui explique le fonctionnement du cosmographe et qui explique le but, en fait. Et on voit déjà quel est le but de ce cosmographe, cet instrument qui dirige l'œil et l'intelligence avec la plus grande simplicité, est indispensable aux populations des villes et surtout des ports maritimes, on verra pourquoi tout à l'heure, et aux collèges. Pas très net, hein. Au collège et aux maisons d'éducation pédagogique privées de France et de public et privé de France et de l'étranger. Alors à vrai dire, il n'en a pas installé à l'étranger, mais en France, il en a installé un certain nombre. Nous verrons exactement. Alors, dans le texte de cet ouvrage, il donne des explications précises. L'instrument ou appareil que nous offrons au public, sous le nom de cosmographe, a pour but précisément, en rendant facile et commode le plus grand nombre d'observations astronomiques, de populariser l'étude de la science, de graver plus nettement et plus profondément dans l'esprit de ceux qui se livrent à cette étude l'intelligence des notions fondamentales. Et l'une des dimensions essentielles, c'est qu'il cherche réellement à vulgariser la science. Et comme vous voyez, enfin comme vous avez vu, il a intitulé cet ouvrage Cosmographe observatoire vraiment populaire. Et le vraiment est important.
Alors voici la gravure qui accompagne le petit ouvrage publié, où on voit quelques personnages qui sont devant le cosmographe lui-même. Alors, si on regarde bien cette image, on perçoit à l'arrière, déjà on perçoit qu'on est en bord de mer, et on verra, bon déjà il est marseillais, il habite Marseille, il a vécu toute sa vie à Marseille, et on voit dans le fond quelque chose qui ressemble beaucoup au château d'If. Donc clairement il s'agit d'un paysage marseillais, mais qui est complètement faux, parce que en réalité, vu de Marseille, le château d'If se situe non pas dans cette direction, mais dans la direction opposée. On sait en fait que la direction de cette ligne oblique, c'est l'axe des pôles. Donc on sait que le nord est à gauche, ce qui veut dire que devant, c'est l'est, et sur la côte de Marseille, le château d'If est plein ouest. Donc cette image, c'est juste une idée de reconstitution de ce que c'est que ce cosmographe. Et c'est d'autant moins celui de Marseille que sur la petite tige supérieure, on voit mal ici, mais on le verra tout à l'heure, sur la petite tige supérieure, il y a le nom de la ville, comme il y a Sorèze à Sorèze. Et ici, ce qu'on lit, c'est Paris. En fait, c'est celui qui a été exposé à Paris. Alors, il précise en fait son intention. Il dit, quand il parle des savants, et il essaye de comparer son instrument à ceux habituellement utilisés par les savants, comme les télescopes et ces choses-là, il dit « L'intelligence et l'œil du savant dirigent tout instrument d'observation. En revanche, notre appareil dirige l'intelligence et l'œil de l'observateur instruit comme l'œil de l'observateur le plus vulgaire. La dimension populaire est réellement affirmée, réaffirmée sans arrêt. » Alors, au moment où l'exposition a lieu, on retrouve un certain nombre d'articles qui présentent le cosmographe. Ici, je vous fais apparaître quelques extraits. Il y a à l'exposition, non seulement pour l'astronomie savante, mais encore pour l'astronomie élémentaire, la cosmographie, qui était nouvellement créée dans l'enseignement au milieu du XIXe siècle, dont l'objet est de faire comprendre l'ensemble des mouvements des corps célestes. Par le nombre et la variété des appareils qui nous sont mis sous les yeux, nous pouvons juger que l'étude de la science, du ciel, reprend faveur parmi les gens du monde et même parmi le peuple. Donc la renaissance, ou plutôt la naissance de cet enseignement spécifique et nouveau de la cosmographie se fait à peu près à la même époque où Ouvière publie ce livre, où Ouvière construit ce cosmographe. C'est d'ailleurs la même époque où l'astronome Arago, lorsqu'on publie les œuvres de l'enseignement de Arago, qui s'appelle Astronomie populaire, là aussi. Mais c'est une œuvre posthume qui a été publiée juste l'année d'avant. Alors, dans ce même article, on lit un peu plus loin, « Il existe divers autres appareils cosmographiques mais d'une toute autre nature que celui de M. Ouvière. Ce sont généralement des appareils assez compliqués qu'on fait mouvoir au moyen de mécanismes plus ou moins ingénieux et qui figurent tant bien que mal les mouvements de la sphère. » En réalité, il y a effectivement beaucoup d'instruments mobiles qui ont permis d'aider à l'enseignement de la cosmographie, mais il n'y a absolument pas plus simple que ce cosmographe. Alors voilà donc le titre de l'ouvrage d'Arago, Astronomie populaire, première édition 1854, c'est une édition posthume, il était mort peu avant, qui a été réalisée par Barral, un de ses élèves. Ce sont des cours publics qu'il donnait à l'Observatoire de Paris et qui étaient extrêmement courus à l'époque, il y avait une audience assez importante. Alors, passons maintenant à l'inventeur, Monsieur Ouvière. Monsieur Ouvière est relativement peu connu. Les premières informations qu'on peut trouver dans les archives de l'état civil, c'est son acte de mariage, comme ici, François-Marie Jean-Baptiste Cressan Ouvière, qui est né à l'époque de son mariage, il est ingénieur des travaux publics et... c'est difficile à lire. Ce que je sais, c'est que, d'après cet extrait d'acte de mariage, c'est qu'il est né en Italie, à Livourne, à une époque, en fait, où la côte italienne était occupée par la France. Et il est né en 1807, c'est indiqué dans cet acte de mariage, et on sait aussi qu'un peu plus tard,
Il est mort en 1867, mais je reviendrai sur cette période du décès, qui est assez, assez prématurée en quelque sorte. Alors, au point de vue de son état civil, on sait qu'il a eu une sœur morte en très bas âge et aussi un frère. Et justement, ce frère, qui est un peu plus âgé que lui, est un capitaine au long cours, donc c'est un marin. Et je pense que quand il dit que ce cosmographe est utile dans les ports maritimes, il pense sans doute à son frère. Ce frère, il a été témoin justement à ce mariage d'Ouvière, de même que François Ouvière a été témoin au mariage de son frère. Alors, maintenant, je vous présente le portrait de M. Ouvière de façon quasi certaine. Sur cette photographie, vous reconnaissez peut-être déjà la disposition qu'on a vue il y a un instant dans la gravure. Vous voyez les personnages. En fait, le personnage qui est à gauche tend sa canne dans la direction du cercle oblique qui est le cercle de l'équateur céleste. C'est un des éléments fondamentaux de ce cosmographe. Et je pense qu'il s'agit bien de François Ouvière lui-même, parce que cette photo qui date de 1863 avec le cosmographe de Nîmes a été réalisée et envoyée en fait à d'autres organismes, à d'autres mairies, pour essayer de commercialiser son instrument et le faire connaître. Mais je suis quasiment sûr qu'il s'agit de Ouvière, ne serait-ce que parce que, d'une part, l'aspect dans lequel on le voit correspond assez bien à une description que je vais vous lire dans un instant, et d'autre part, parce que c'est exactement la même mise en scène que dans la gravure. J'ai coupé la partie de gauche pour qu'on voit bien, mais à droite, il y a les mêmes personnages, et un autre personnage qui regarde dans la direction de l'axe d'épaule. Donc c'est vraiment la mise en scène de son ouvrage, ce qui me confirme en tout cas que probablement il s'agit bien de lui. Alors, outre ses travaux sur l'astronomie, on va voir dans un instant quel est son premier travail connu sur l'astronomie. Ouvière, qui était ingénieur civil, a inventé un chariot à cylindres, comme vous voyez ici, un peu un chariot à rouleau en fait, pour pouvoir transporter des matériaux lourds dans des terrains marécageux, parce qu'en 1840 environ, il a eu la commande de construction du phare de Pharamance, pas loin de Marseille. Mais ce phare se situe en fait sur un terrain très marécageux, et pour pouvoir transporter les matériaux, on avait essayé par mer, c'était extrêmement peu facile. Il a inventé ce chariot qui a donc servi et pour lequel il a reçu un certain nombre de prix et de citations, et où il a aussi rencontré en fait le frère de Fresnel, d'Augustin Fresnel, un certain Léonore Fresnel, qui était à l'époque responsable des phares en France. Peut-être que c'est ce Fresnel qui lui a permis d'avoir des contacts à Paris, mais on verra qu'il y a d'autres possibilités aussi. Alors, par ailleurs, François Ouvière a eu une décoration. Quand on lit l'abréviation ici, parfois elle a été mal interprétée. Il s'agit en fait du chevalier de Ferdinand d'Espagne. C'est une décoration militaire. Il l'a obtenue avant 1855, mais je n'ai pas réussi à retrouver les faits d'armes qui ont pu conduire à cette décoration. Peut-être que dans l'audience, il y a des personnes qui connaissent cet ordre des chevaliers de Ferdinand d'Espagne, je ne sais pas. Enfin, au cas où, toute information me serait tout à fait intéressante. Donc, il est chevalier de Ferdinand d'Espagne. Parfois, cette abréviation a été mal lue comme chemin de fer d'Espagne. Alors, en 1851, Ouvière expose à Marseille un tracé de la projection du cône d'ombre de la Lune sur la sphère terrestre pendant l'éclipse du 28 juillet 1851. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette exposition, il est très proche d'un peintre de l'époque qui est devenu un photographe extrêmement célèbre. Il s'agit de Charles Nègre.
Charles Nègre, qu'on retrouvera par la suite dans l'histoire du cosmographe, parce que lorsque Charles Nègre est retourné dans le sud de la France, qui s'est installé à Nice, eh bien, il a aussi photographié un cosmographe qui avait été installé à Nice, nettement plus tard que celui de Sorèze. Alors, là, il s'agit en fait d'un article de la Gazette du Midi qui témoigne du décès subi de M. Ouvillère. M. Ouvillère, ingénieur civil, a été frappé jeudi matin, c'était le 16 mai 1867, sur le cours Belzunce, d'une attaque d'apoplexie suivie d'une mort instantanée. Allié à une des familles les plus anciennes et des plus honorables connues de notre ville, M. Ouvillère laisse après lui les plus vifs regrets. Sa mort laisse également un vide dans le monde savant auquel il appartenait par l'étendue de ses connaissances, par des aptitudes spéciales et surtout par l'invention du cosmographe populaire que la plupart des villes du Midi, sauf Marseille, et là ils insistent bien, appréciaient depuis longtemps comme propre à vulgariser la science astronomique et dont elles auraient orné leur place publique. Et en fait, effectivement, Ouvillère a exposé le cosmographe pendant une exposition régionale à Marseille, mais la ville ne l'a pas conservé. En revanche, il a été utilisé, il a été exposé et conservé dans bien d'autres villes. On verra qu'il y en a eu une dizaine. Et ce qui est intéressant dans cet article qui a été publié donc à Carcassonne, Monsieur Ouvillère était chevalier de la Légion d'honneur, je suppose c'est plutôt Ferdinand d'Espagne, mais peu importe, et à la tête d'une grande industrie aux exigences de laquelle il savait dérober le temps nécessaire à la propagation et à l'établissement de ses cosmographes. C'est une information intéressante parce qu'on se rend compte finalement que c'était une activité un peu parallèle dans l'activité de Monsieur Ouvillère. Nature essentiellement expansive et méridionale, M. Ouvillère n'exploitait pas son invention. La spéculation n'entrait en rien dans la vulgarisation d'une idée aussi heureuse que simple et dont, mieux que personne, il appréciait l'utilité. Tous les ans, il affectait dans son budget une somme assez ronde à l'établissement de nouveaux cosmographes. La somme, c'était à l'époque aux alentours de 600 francs de l'époque. Sa parole animée, sa mimique expressive, en faisait comprendre aisément les diverses fonctions. Simple dans ses explications, il ne laissait pas de colorer la science d'un reflet de poésie. Il suffit d'avoir vu un tel homme une fois pour le comprendre et pour l'aimer. Alors en fait, après il propose à la ville de Carcassonne de publier ces diverses interventions, mais je passe. Alors revenons maintenant à l'objet lui-même et tentons de faire une description aussi peu compliquée que possible. Comme on peut se rendre compte, le cosmographe est simple. Il est relativement simple dans ses éléments. Il ne comporte que trois éléments. Trois éléments qui sont en premier le cercle du méridien, le cercle vertical. Ouf, qu'est-ce que je fais là? Je me trompe de bouton. Alors, le cercle vertical que l'on voit ici, qui est donc le cercle du méridien, c'est le cercle qui permet de comprendre que tout ce qui se passe dans le ciel a une particularité au moment des mouvements célestes. Les corps célestes décrivent toute la partie sud du ciel en ayant un point de culmination, et c'est justement le point qui se trouve plein sud et que l'on peut repérer grâce à ce cercle méridien. On peut aussi déterminer le moment du midi solaire, comme on va le voir dans un instant. Le midi solaire, c'est le moment où le soleil atteint son point le plus haut dans le ciel, et le cercle du cosmographe permet de l'observer d'une façon tout à fait précise. Deuxième élément, c'est l'axe des pôles, qui est donc en fait l'axe de la rotation terrestre. Et la difficulté de la compréhension de la sphère céleste
c'est que, comme ici, qui est une sphère céleste simplifiée, c'est qu'en réalité, elle peut être interprétée à deux échelles très différentes, soit à une échelle locale, soit à l'échelle du monde. Étant donné que la Terre est, ou plutôt que le Soleil est très éloigné de la Terre, en fait, en cosmographie, on peut considérer que la Terre est réduite à un point. Si bien que cette sphère céleste, on peut l'imaginer sur n'importe quel lieu de la Terre, elle sera toujours dans la même direction par rapport au monde. Donc cet axe des pôles est orienté en fonction d'une donnée précise de géographie. En fait, la pente de cet axe des pôles par rapport à l'horizon, c'est l'angle de la latitude. Plus on va vers le nord, plus elle se redressera, et plus on va vers le sud, plus elle s'inclinera, et plus le cercle qui est perpendiculaire donc, à cet axe, c'est-à-dire le cercle oblique de l'équateur qui est ici, plus ce cercle et plus ce plan de l'équateur va se redresser au fur et à mesure que l'axe des pôles s'incline. Alors imaginez que vous êtes au pôle nord, on l'envisagera dans quelques instants, au pôle nord l'axe est vertical, le cercle de l'équateur est horizontal, et comme ce cercle de l'équateur correspond au mouvement du soleil le jour du printemps, eh bien ça veut dire qu'au pôle nord, le soleil circule sur l'horizon pendant toute une journée, le jour de l'équinoxe de printemps. On reviendra aussi sur cet aspect des choses. Alors, voici donc un modèle dessiné de la sphère céleste. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair ce que je vous raconte? Tout le monde dort? Presque tout le monde. Je plaisante, je plaisante. Donc, ça c'est un dessin de la sphère céleste où on retrouve donc ces éléments fondamentaux, mais ils sont englobés dans un dessin sphérique avec d'une part l'équateur céleste qui est indiqué là, l'axe des pôles PP' et le plan du méridien qui est indiqué par la position est du soleil à son maximum de hauteur. Alors, si on se réfère à au sol sur lequel on vit, à la Terre, et au plan de notre horizon, eh bien, si on considère que ce rectangle ici correspond à notre horizon, on va retrouver la même disposition par rapport à notre position d'observation. On va retrouver que l'axe des pôles, ici, est en pente par rapport à cet horizon, que cette pente, c'est-à-dire l'angle qui est ici, est égal à la latitude du lieu, et que le plan de l'équinoxe, ou de l'équateur céleste, c'est le même plan, eh bien, qui est perpendiculaire à l'axe des pôles, va nous donner en fait les éléments essentiels de repérage sur les lieux. Et en fait, le cosmographe de Sorèze nous permet de repérer tous ces éléments-là d'une façon immédiate, et donc de nous repérer dans l'observation du ciel. Alors, pour commencer, bon, il y a un peu beaucoup de lumière ici, mais je pense que la photo suivante sera un peu plus claire. Comment vous devinez les étoiles? J'ai pas bien vu si ça avait sauté d'une vue à l'autre les mêmes. Non, pas encore. Là, il y a un problème. Bon, peu importe. Oui, si, c'est dans le bon sens. J'ai mis d'abord la photo la plus claire pour qu'on arrive à lire la suivante qui est un peu moins claire, mais dans laquelle... Oh, on voit rien du tout. Bon, je reviens en arrière. Non, on voit rien. On va revenir à la précédente. C'est celle-ci, oui. Alors là, on peut deviner quand même la grande ours. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, il y a la lumière qui gêne. Comment ? Ben, je ne sais pas. De la scène. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas celle-là. Non, je crois que c'est de là-haut qu'il le fait. Il fait ah, ça oui, de la cabine. C'est ça de la cabine. Bon, je suis désolé. En fait, c'est une photographie de la grande ours, mais comme vous savez, on ne la voit que la nuit, et donc je n'ai pu la photographier que la nuit. Non. Ben oui, j'étais dans le noir et là on a les spots ici qui éclairent l'écran, donc
Et malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer. Mais vous avez sans doute tous déjà observé la grande ourse. Et je montrerai la grande ourse ici pour faire apparaître l'étoile polaire qui doit être quelque part. Elle est là, en fait. Et on voit un petit morceau de la grande ourse par là. vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est la casserole. Et je montre tout simplement cette grande ourse parce qu'elle permet de repérer l'étoile polaire, donc la direction de l'axe des pôles, qui est la même. Ce qui veut dire qu'en pleine nuit, quand on voit l'étoile polaire, eh bien déjà, si on est à Sorèze, à côté du cosmographe, on doit pouvoir constater que l'axe des pôles pointe vers l'étoile polaire. Et puis, si on est n'importe où, c'est toujours pareil, de toute façon. Et l'intérêt de connaître la position d'étoile polaire, c'est que si vous pointez un bras vers l'étoile polaire, si vous faites tourner votre autre bras perpendiculairement à l'étoile polaire, eh bien, vous définissez le trajet apparent du soleil, le jour du printemps et le jour de l'automne. Donc, avec très peu d'informations, vous arrivez à en déduire un certain nombre de choses qui sont extrêmement importantes à mes yeux, parce que le trajet du soleil à l'équinoxe, il délimite l'espace dans deux sections différentes, dans deux secteurs différents, dans deux hémisphères différents. Le soleil est dans l'hémisphère céleste nord en été et dans l'hémisphère céleste sud en hiver. Et lorsqu'on aménage l'espace, ça peut être une information extrêmement précieuse. Désolé pour l'obscurité de cette vue. Alors, je reviens donc au même dessin que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est un dessin en coupe, où on retrouve donc l'horizon nord-sud, la direction de l'axe du monde ou de l'axe des pôles et de l'étoile polaire, indiqué avec l'angle de la latitude du lieu. À Sorèze, nous sommes à 43,5 degrés, donc l'axe des pôles doit être orienté par rapport à l'horizon, par rapport à l'horizontale de 43,5 degrés, s'il est bien orienté. Là, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute parce que le pilier a été changé, donc je ne suis pas très sûr, on verra ça dans un instant. Et perpendiculairement donc à cet axe des pôles, vous avez d'une part la direction du soleil de midi, le jour du printemps et le jour de l'automne, mais pour ceux qui ont fait un peu de géométrie projective, en fait, ce plan de l'équateur qui est perpendiculaire à l'axe des pôles, il se projette entièrement sur cette ligne. Et ça aussi, c'est une chose intéressante. On aura l'occasion de le revoir d'une façon plus concrète. Je reviens donc au cosmographe pour qu'on retrouve finalement toutes ces choses. D'une part, cet axe. Je me trompe à chaque fois de bouton. D'une part, donc, cet axe des pôles, le plan de l'équateur, et la chose qui n'est pas dans le cosmographe, et qui, en quelque sorte, peut être manquant, mais ce n'était pas possible de le montrer, c'est le plan de l'horizon qui est là. Passe par le centre, et qui est donc horizontal ici. Alors, le plan du méridien, le plan vertical nord-sud, permet de faire le repérage du soleil à midi solaire. Et je vais vous montrer une succession de trois photographies où on voit donc le soleil qui passe d'un côté à l'autre du plan du méridien. Je n'ai pas pu le photographier d'une façon correcte à Sorèze, donc je vous montre ici ce que j'ai pu faire à Montpellier. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que quand vous regardez ce cercle vertical, eh bien, vous avez une ombre qui est portée dessus, ici. Et cette ombre, elle est bordée par un filet de lumière. Ce qui veut dire que le soleil est encore à droite de ce cercle. Et puis au fur et à mesure que le temps avance, nous sommes à midi solaire moins quelques minutes, et bien au fur et à mesure que le soleil avance, l'ombre que vous voyez ici va progresser vers la droite et va finir par recouvrir entièrement ce cercle, comme vous le voyez ici. On voit à peine deux minuscules filets lumineux de chaque côté. Ça, c'est dû à la dimension du soleil qui permet d'éclairer en fait chaque côté. Et là, nous sommes exactement à midi solaire. Et puis, le soleil continue sa course. Et quelques instants plus tard, eh bien, on va voir apparaître un mince filet lumineux. Zut. Bon, c'est pas le même jour. On va revenir. On va revenir en arrière. Donc, on voit apparaître un mince filet lumineux ici.
sur le côté, le soleil est passé de l'autre côté, donc le midi solaire est passé. Et cette observation, elle est facile à faire. On l'a d'ailleurs faite l'été dernier avec Isabelle, et c'est tout à fait simple et évident. En plus, on peut observer le midi solaire de cette façon, mais le deuxième cercle, le cercle oblique, eh bien, qui est le cercle de l'équateur, nous permet d'observer le moment de l'équinoxe de la même façon. C'est-à-dire qu'avant l'équinoxe, eh bien, le filet de lumière est d'un côté de l'ombre dans le cercle de l'équinoxe, et après l'équinoxe, il est dans l'autre côté de cette face. Alors, suivant que c'est le printemps ou l'automne, ça va soit vers le haut au printemps, soit vers le bas en hiver. Est-ce que le cosmographe devient un petit peu moins mystérieux ? Alors, ici, nous sommes encore quelques instants, peu d'instants après-midi. Et en même temps, nous sommes à l'époque de l'équinoxe. En fait, si vous regardez le cercle oblique, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un phénomène analogue qui se passe. Mais là, je n'ai pas pu attendre le lendemain pour faire la photographie suivante, mais je vous le montrerai sur un autre cosmographe. En fait, vous voyez que l'ombre de cette partie sud du cercle équatorial vient se porter en partie ici, à l'intérieur à l'intérieur du même cercle, et qu'elle est bordée de lumière. En fait, l'ombre, elle est par-dessus, la lumière est par-dessous. Nous sommes au moment de l'équinoxe de printemps, donc le soleil va monter dans le ciel de jour en jour, et le lendemain, eh bien, les choses vont s'inverser. Nous vous allons voir ce phénomène au cosmographe de Paris. Alors, à Paris, ici, c'est le contraire. Comme vous voyez, l'ombre, elle est en dessous du cercle équatorial, et la lumière par-dessus. En fait, il s'agit, si mes souvenirs sont bons, c'est marqué là. Il s'agit encore d'une photographie de l'équinoxe de printemps, mais elle a été prise peu après le jour du printemps. Alors en fait, pourquoi est-ce que ce phénomène est aussi remarquable? C'est tout simplement parce que le jour de l'équinoxe, le soleil, dont on voit les rayons ici, les petites flèches indiquent les rayons du soleil, on voit que le soleil est dans le même plan que le cercle équatorial, donc l'ombre portée de ce cercle, ça va être non pas une ellipse, mais un segment de droite. Et ce phénomène, il est tout à fait particulier, et il permet de repérer d'une autre façon, sans regarder le soleil, c'est encore mieux finalement, il y a moins de risques, il permet de repérer les moments d'équinoxe par l'ombre portée. Et ce phénomène de l'ombre portée est encore plus magnifique parce que ce segment qui est orienté est-ouest se déplace tout au cours de la journée sur une ligne est-ouest. Il se déplace en ligne droite. C'est-à-dire que le segment que vous voyez là, il va continuer sa course comme ça, en ligne droite. Et c'est le seul jour de l'année où ça se passe. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vais vous le montrer. C'est-à-dire, je l'ai photographié. Et je l'ai photographié de différentes façons pour rendre les choses possibles. Est-ce que c'est trop long? Non. Ça bouge là. Alors voilà justement à nouveau sur le cosmographe de Paris. Je l'ai photographié, c'est une photographie ancienne déjà, 1993, mais je m'y intéresse depuis très longtemps au cosmographe en général. J'ai d'ailleurs enseigné la cosmographie à mes étudiants en architecture pour leur apprendre les mouvements apparents du soleil autour des maisons. Ça me semble essentiel. Ici, donc, j'ai photographié le cosmographe avec le soleil derrière le plan d'équateur. Vous voyez la lumière forte, c'est le plan d'équateur qui cache le soleil. Il faut vraiment trouver un moyen de cacher le soleil, sinon on brûle sa rétine. Donc, le soleil est placé exactement ici. Et on peut voir l'effet sur l'ombre portée, parce que j'avais transporté avec moi un écran. Comme vous voyez ici, sur cet écran, le cercle de l'équateur, le cercle oblique de l'équateur, eh bien, il porte cette ombre qui est parfaitement horizontale, alors qu'avant midi, le cercle vertical du méridien porte une ombre qui est tout à fait elliptique. Et en réalité, la plupart du temps, l'ombre d'un cosmographe, ce sont deux ellipses entrecroisées, sauf au moment d'équinoxe. Et au moment d'équinoxe, à midi solaire, eh bien, le cercle de l'équateur porte aussi une ombre qui est rectiligne. Donc l'ombre, à ce moment-là, midi solaire, équinoxe, c'est une croix.
que j'ai fait là? Ouh là là. Non, non, je vais essayer de faire autrement. Non, mais je suis pas au milieu. Il n'y a pas un ingénieur en informatique? Non, mais il n'a pas réussi à faire le défilage automatique parce qu'il n'y avait pas moyen de le contrôler. Bon, mais là, il va y avoir un défilement automatique, je pense. Oui, ça y est. Bon, on va voir ce qui se passe. Ah, ben voilà. Ah, là, on voit bien. On voit la nuit. Oui, oui, oui. On voit un peu mieux. On la voit. Oui, oui. Et vous voyez, là, maintenant, ça défile tout seul. Hein. Bon, je peux accélérer, mais je ne peux pas ralentir. Donc, nous en étions là, et maintenant, nous allons constater les différentes ombres portées, un peu avant midi, ensuite, tout près du moment de midi. En fait, c'est quelques instants après midi, parce que ce jour-là, j'étais allé à l'église Saint-Sulpice, où il y a aussi un instrument, au moment du midi solaire. Et on voit la position du soleil juste après. Et j'ai repris la même prise de vue au cosmographe qui se trouve au lycée de Vanves, qui était en fait une annexe du lycée Louis le Grand. Et vous voyez ici, marqué par des flèches rouges, le trajet de l'ombre le jour de l'éclipse. Ça va trop vite. Mais là, je ne peux pas le contrôler, la vitesse. C'est ça le problème. On m'a pas dit comment on faisait. Ah, peut-être que là ça va être bon. Alors, pour ce qu'on a vu à Henri IV, c'est bon. Alors, nous sommes donc ici au lycée de Vanves, qui était une annexe du lycée Louis le Grand. En 1860, environ 1860, un petit peu avant ici. Et en fait, vous voyez les petits points rouges qui sont là, oui, correspondent au trajet de l'ombre que j'ai repéré en mettant des petits bâtons. Vous voyez ici un petit bâton, pour voir comment cette ombre se portait le long de cette ligne droite. Et puis j'ai fait une photo dans l'autre sens, donc je me suis mis au pied du cosmographe et j'ai photographié vers le nord. Comme ça, on peut voir que... Eh bien, cette ombre, elle suit exactement une ligne droite, et comme je l'ai prise à midi, vous voyez tout à fait apparaître... Ah, zut, ouf, ça n'a pas bougé. Vous voyez apparaître d'une part l'ombre du cercle vertical, et puis le trajet de l'ombre de l'équatorial avec l'instantané de midi qui est quelque part par là. Et j'ai pu faire ce repérage parce que, comme vous le voyez, il y a des petits bâtons qui sont posés comme ça, de proche en proche, pour repérer les instants successifs. C'est-à-dire, j'ai pas triché, quoi. Alors, Ouvière publie en 1866 dans un journal d'Aix-en-Provence un article qui explique comment utiliser le cosmographe au moment des équinoxes. Et à un moment de cet article, il précise ce qui se passe au pôle. S'il y a des habitants au pôle terrestre, le 23 de ce mois, le mois de septembre, ils verront le soleil décrire un grand cercle, le grand cercle de leur horizon, tout autour d'eux, c'est ce que je disais il y a un instant. Donc le soleil tourne sur l'horizon, et puis de droite à gauche, et puis le lendemain, le soleil disparaît sous l'horizon, et il va disparaître pendant 6 mois. Et 6 mois plus tard, il va réapparaître sur l'horizon et monter progressivement dans le ciel en faisant toujours de gauche à droite, de grands cercles, grandes spirales si vous voulez,
et qui va aller jusqu'au solstice d'été, jusqu'au moment du jour de l'été. Pour le pôle Nord, le soleil, c'est ce que je viens de dire, on passe. Je pense qu'il y a une inversion dans ces deux images. Alors, il semblerait que... Vous voulez qu'on revienne à... Je pense que j'aurais dû la mettre avant, mais je ne sais pas pourquoi elle s'est laissée inverser. Oui, il parle de l'équinoxe. Bon, je pense qu'on peut, passer cette image-là. Et voir qu'il est peut-être possible que Ouvière ait lu Jules Verne, notamment dans les voyages du capitaine Hatteras. Il y a un chapitre qui s'appelle Cosmographie polaire. Et dans ce chapitre de cosmographie polaire, on peut lire « Rassurez-vous, Bell, pour en revenir à l'immobilité de l'axe terrestre, il en résulte donc ceci. C'est que si nous étions pendant l'hiver à cette place, nous verrions les étoiles décrire un cercle parfait autour de nous. Quant au soleil, le jour de l'équinoxe de printemps, le 23 mars, il nous paraîtrait, je ne tiens pas compte de la réfraction, il nous paraîtrait exactement coupé en deux par l'horizon. » Avec la réfraction, en réalité, il est un petit peu au-dessus. Et monterait peu à peu en formant des courbes très allongées. Mais ici, il y a cela de remarquable que dès qu'il apparut, il ne se couchera plus. Il reste visible pendant 6 mois, puis son disque vient raser de nouveau l'horizon à l'équinoxe d'automne au 22 septembre. Et dès qu'il s'est couché, on ne le revoit plus de tout l'hiver. Donc c'est un peu la même histoire qui est racontée par Jules Verne une année avant. C'est pour ça que je me demande s'il n'a pas lu aussi Jules Verne, d'autant plus que les liens entre Ouvière et Jules Verne sont tout à fait certains. On a vu tout à l'heure des dessins du cosmographe qui sont tirés non seulement de l'ouvrage d'Ouvière, mais aussi d'un ouvrage de cosmographie d'un professeur du lycée Henri IV, un certain monsieur Garcet, qui était un cousin de Jules Verne, et pour lequel il était professeur de mathématiques et de cosmographie. Et pour Jules Verne, il a fait des calculs, notamment pour ses romans lunaires. C'est lui qui a permis à Jules Verne d'avoir des choses tout à fait exactes dans ses romans. Alors, autre preuve de l'aspect rectiligne des trajets du soleil le jour de l'équinoxe. Vous avez ici un lever de soleil que j'ai pris en séquence photographique toutes les 20 minutes à peu près, où on voit bien que le soleil monte en ligne droite dans le ciel. Et en réalité, cette ligne droite, c'est la trace du cercle équatorial qui est autour de nous. Si c'est une ligne droite, c'est que, en fait, c'est une photographie donc sur un plan, et c'est le résultat de l'intersection de deux plans, le plan de l'équateur et le plan de la pellicule. Si j'avais pris une photographie plein sud, ce que je n'ai pas pu faire, eh bien, on aurait eu une ligne droite horizontale. Mais en revanche, le coucher de soleil, ça, je l'ai pu le photographier, et on va retrouver la même chose, alors que tous les autres jours de l'année, la courbe, ou plutôt le trajet du soleil, c'est un morceau d'hyperbole. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, et le jour de l'équinoxe, nous avons en fait des tracés et des repérages qui sont extrêmement simples du point de vue de la géométrie, puisqu'on est en face de lignes droites et de plans. Alors que tous les autres jours de l'année, ces plans sont remplacés par des cônes et les lignes droites sont remplacées par des hyperboles, ce qui rend les tracés et le suivi beaucoup plus complexes. Et je pense, en plus, pas vraiment nécessaire, parce que nous allons voir que, finalement, si on peut repérer d'une façon ou d'une autre sur le sol, et c'est ce que je proposerais bien pour le cosmographe de Sorez, si on peut repérer sur le sol, par exemple avec un petit muret légèrement surélevé, l'ombre du cosmographe du printemps et de l'automne, suivre donc cette ligne droite est-ouest, on pourra en déduire immédiatement que pendant les 6 mois de l'été, l'ombre de ce cosmographe sera toujours du même côté, c'est-à-dire au sud, et que pendant les 6 autres mois, l'ombre dépassera toujours du côté nord. Donc en fait, cette ligne particulière, elle permet de subdiviser l'espace en 2 périodes semestrielles. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai appelé dans mon enseignement la spatialisation du temps. Alors, pour changer de saison, justement, nous sommes ici le jour du solstice d'hiver. Toutes ces photos sont prises à Paris, quand j'habitais sous les toits. Et en fait, on ne voit pas ici le trajet complet parce que
comme vous pouvez vous rendre compte, si le lever de soleil est tout à fait apparent, bon, on photographie toutes les heures. Là, nous sommes à midi solaire. Le soleil est à son point de culmination. Puis il va redescendre, mais malheureusement, les nuages sont arrivés et n'ont laissé apparaître le soleil que peu de moments avant le coucher. Je ne vous montre pas le solstice d'été tout de suite. Ça va être la conclusion. En revanche, on va quand même parler du changement des saisons, parce que le cosmographe a aussi cette fonction, et il y a une des plaques, la plaque plein sud, on voit l'ombre de la tige qui déborde sur cette plaque. Je ne lis pas le haut, je lis simplement le bas. L'angle de la déclinaison solaire, c'est-à-dire la distance du soleil à l'équateur. L'angle de la déclinaison solaire est indiqué chaque jour, vers midi, par l'ombre portée de la petite tige du centre sur la graduation du méridien au nord ou au sud de l'équateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on regarde, alors nous sommes ici devant le cosmographe de Sorez, quand on regarde, vous voyez cette petite tige là qui est au centre, qui a été rajoutée en fait assez récemment, en 2002 précisément, elle a été ajoutée parce que la tige d'origine était extrêmement petite, très courte. Donc peut-être qu'elle avait disparu, mais toutes celles qui subsistent, pardon, elle avait complètement disparu, mais c'était tout petit, hein. Donc toutes celles qui subsistent sont minuscules, et ici en fait c'est donc l'ombre de cette tige qui va se porter sur cette partie d'arc et qui, vous voyez, est située entre deux lignes qui montrent ce qui se passe dans la nuit, mais qui sont à l'opposé de deux autres lignes, ici pour l'hiver et ici pour l'été. Donc ça, c'est la direction du soleil à midi et à minuit, en été comme ceci, et en hiver comme ceci. Donc cette petite tige à l'équinoxe, elle se projette au milieu ici, au niveau de l'équateur. En hiver, cette petite tige va se porter quelque part par ici. Donc en ce moment, par journée ensoleillée, aux alentours de midi, parce que les tiges sont longues, donc on peut le voir assez longtemps avant et après midi, eh bien, on doit pouvoir se rendre compte que l'ombre de ceci va venir se porter quelque part par là, mais par-dessus, et ça, c'est pas bien visible. Donc, un autre élément qui pourrait être éventuellement ajouté, c'est un podium qui surélèverait la position de l'observateur pour bien voir ce qui se passe sur cet élément. Et en été, donc, l'ombre va se porter ici, et là, c'est carrément invisible depuis le sol. Alors, je vous montre ici, je vais passer rapidement, c'est une série de photographies que j'ai prises toujours au même endroit, à Paris, entre le jour de l'hiver, le soleil se couchait ici, et le jour du printemps, le soleil se couchait ici. C'est-à-dire que vous avez ici, sur l'horizon, un calendrier, un panoramique calendaire, qui montre de semaine en semaine, chaque photographie est découpée sur le temps d'une semaine. Vous avez donc le déroulement de ce temps saisonnier sur l'horizon, la moitié de l'année. C'est pour montrer surtout l'ampleur. L'angle est de 70 degrés. Donc si vous regardez le soleil se lever, vous allez le voir se lever dans 70 degrés entre l'été à gauche et l'hiver à droite, et le coucher, c'est le contraire. C'est absolument pas négligeable et c'est quelque chose qui est souvent ignoré. Le cosmographe ne permet pas tout à fait de faire cette observation, tout simplement parce qu'il n'a pas d'horizon. Mais il permet de contribuer à cette observation. On voit en dessous d'ailleurs le paysage dans lequel ça a été pris, parce que le ciel n'était pas toujours bien dégagé au niveau de l'horizon. Mais enfin, c'est le même paysage en haut et en bas. Alors, nous allons maintenant nous intéresser plus spécifiquement au cosmographe de Sorez, qu'on va voir par plusieurs aspects. Notamment, c'est donc ces deux tiges rallongées. Comme vous pouvez vous en rendre compte, cette photographie a été prise juste avant midi solaire, parce que, en fait, le filet lumineux qui est ici est en train de border l'ombre vers la droite. Peu d'instants après, eh bien, ce sera midi solaire. Et ici, nous sommes juste après le midi solaire, toujours au cosmographe, où on voit le filet de lumière qui borde ici. Et là, on voit un petit peu quand même ces graduations sur l'échelle. D'ailleurs,
Oui, il s'agit bien de graduation. Mais les graduations, elles indiquent... Comment ? Les graduations, oui. Là, elles indiquent... Elles indiquent un angle, qui est l'angle qu'on appelle la déclinaison. Et en fait, cet angle de déclinaison, c'est la distance qu'il y a entre la position du soleil et l'équateur. La déclinaison maximum, c'est le jour de l'été, c'est 23,5 degrés vers le nord. Et la déclinaison maximum de l'hiver, c'est 23,5 degrés vers le sud. Cet angle s'appelle obliquité de l'écliptique. Mais je ne vais pas parler de l'écliptique aujourd'hui, parce que c'est un complexe qui n'est pas géocentrique. En fait, vous avez peut-être remarqué que toutes les explications que je donne, elles partent de la Terre, du point de vue d'observation de la Terre. Alors qu'habituellement, l'astronomie décrit les phénomènes à partir d'un lieu quelque part dans l'univers, mais loin de la Terre. L'intérêt du cosmographe, c'est qu'il permet de comprendre les phénomènes astronomiques tels qu'on les perçoit, et non pas tels qu'ils sont théorisés. Et tels qu'on les perçoit, c'est important, parce que pour le concepteur qui veut aménager un espace, s'il se dit la maison tourne d'un tour par jour sur elle-même et d'un tour par an autour du soleil, c'est absolument inefficace. On ne peut pas concevoir l'espace avec ce genre de concept. En revanche, quand on essaye de parler d'ensoleillement, eh bien, il est automatique qu'on se réfère à l'expérience et qu'on sait très bien que même si ce n'est pas la réalité, eh bien, le soleil semble tourner autour de la maison en un jour et ça va être plus ou moins haut selon les saisons. Et ça, c'est tout à fait opérant quand on veut concevoir l'espace ou quand on veut simplement aménager l'espace chez soi. C'est pour ça que j'ai insisté pour enseigner la cosmographie. Aux architectes, oui. Aux étudiants en architecture. Est-ce qu'on peut considérer que le cosmographe est l'ancêtre ou est arrivé après Sextant ? Je ne pense pas qu'il y ait des liens entre ces deux, instruments. Je pense que non. Le Sextant, c'est un instrument un peu plus complexe qui met en œuvre des miroirs et qui demande une... Moi, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais il y a une formation qui est beaucoup plus élaborée sur le fonctionnement du sextant, je pense. Mais vous savez peut-être comment ça marche, vous. Je sais comment ça fonctionne, oui. mais ça s'en rapproche. Ah, c'est possible. C'est possible, mais je ne peux pas comparer, je ne connais pas le fonctionnement du sextant. Sur un midi solaire, par exemple, oui. Ça permet de faire un point, et quelque part, quand on voit la trajectoire... Oui. On peut considérer que, et c'est pour ça que je pose la question, oui. Est-ce que quelque part ils se sont pas inspirés du cosmographe pour créer Sextant ? Je pense que. Quand date la création officielle de la 1855. Ah, c'est, non, il n'y a rien avant. Donc c'est Sextant qui inspire le cosmographe ? J'ai des doutes. J'ai des doutes sur l'inspiration. Existe depuis. Oui, mais j'ai un doute sur l'inspiration de M. Houbière. Je pense que M. Houbière a essayé de réfléchir à une façon extrêmement simple de proposer quelque chose qui est éminemment fixe. Un cosmographe, a priori, surtout sur les places publiques et dans les lieux d'enseignement, ça ne bouge pas. On verra quand même tout à l'heure qu'il a aussi créé un petit cosmographe portable qui, lui, est en fait orientable sur une horizontale. Mais là encore, peut-être qu'il faudrait que j'étudie un peu plus en détail le fonctionnement d'un sextant, mais a priori, je ne vois pas trop de lien. D'autant plus qu'il me semble qu'il y a un miroir dans le sextant. Pas forcément. Ah bon ? Non. Mm-hmm. Les premiers sextants n'ont pas de miroir. D'accord. Et la deuxième particularité qui se rapproche de celle du photographe est de dire que pour faire un relevé au sextant en photo, ce qui est déjà très compliqué, je sais. Il faut essayer de trouver le plus de stabilité possible. Puisqu'il faut aller chercher le point d'horizon. D'accord. Et qu'est-ce qu'on appelle le point d'horizon ? C'est mon horizon. Oui. Et est-ce que essayer de trouver l'horizon sans bouger sur un bateau ? C'est pas facile. Ça relève du défi. Oui. Et ça permet de mesurer la hauteur des corps célestes, je suppose. De mesurer la hauteur de ce qui est céleste. Oui, oui. Et de faire un point à partir des étoiles. Et des tables. Et des tables pour pouvoir le ramener à une position. Oui. L'altitude. Oui. On peut faire ça aussi avec un cosmographe, c'est vrai. Tout à fait. Bon, je ne parle pas des longitudes parce que je ne veux pas vous endormir complètement.
Mais j'ai essayé de resserrer sur les choses absolument qui me semblent fondamentales. Mais il est fort possible qu'il y ait des liens qui m'échappent complètement. Alors, revenons donc au cosmographe de Sorez. Et on remarque, outre ce changement des petites tiges centrales, qui date donc de 2002, le pilier qui est là est tout à fait différent de tous les autres modèles qu'on a vus. Donc ce pilier a dû être changé. Je n'ai pas retrouvé quoi que ce soit comme document pour m'indiquer l'époque où ça s'est fait. Je crois que monsieur le maire avait une idée. Non, pas pour le jeu. Non. Pour le reste, oui. C'est l'ami de monsieur le maire. Oui, tout à fait. Monsieur Jean-Pierre. Oui. Le socle, je ne sais pas. Alors la seule chose qui est sûre, c'est que ce socle n'était pas comme ça en 1915. Puisqu'il y a une photographie de 1915 qui montre le socle d'origine, et une autre encore plus ancienne qu'on va voir, qui montre aussi le socle d'origine, qui est comme ceux des autres cosmographes. À un moment, je me suis demandé d'ailleurs si ce cosmographe de Sorez n'avait pas été une réutilisation du cosmographe de Marseille, qui n'a pas été donc acheté par la ville. Et Marseille a une latitude qui est quand même relativement proche de celle de Sorez, donc il aurait très bien pu y avoir une réutilisation. Et je m'étais posé cette question à partir de ce pied différent, mais en réalité, le premier pied est le même. Bon, peut-être que ça a été le cas, mais là, il n'y a rien qui permet de le savoir. Alors, en fait, j'ai eu quelques doutes sur l'aplomb de ce cosmographe. Il faudra que je vérifie, d'ailleurs, j'ai amené un fil à plomb à cet effet. Quand on fait passer une ligne par la tige qui est censée être le zénith, donc la verticale, où est marqué le nom de Sorez, qu'on la fait passer par le centre, donc la tige zénithale, le centre, eh bien, si on la prolonge, on voit qu'on arrive en biais. Donc il est quand même un peu probable qu'il soit légèrement incliné, et s'il est incliné, c'est probablement dû au fait que le pied a été changé. Que le terrain s'est bougé. Non, parce que si le terrain avait bougé, le piédestal aurait bougé en même temps. Je pense, Je vous montre la photo suivante où on voit la même chose avec une autre ligne rouge. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas vrai. Oui, ben c'est celle-là qui a sauté, en fait. Donc, ça, c'est une ligne qui est, bon, à peu près verticale, parce que c'est délicat de dessiner des lignes verticales sur des photos. Vous voyez que cette ligne qui est à peu près verticale, elle passe bien par le centre du cosmographe, mais elle dévie à la fois sur le pied et sur le zénith. Donc, je pense qu'il y a un petit écart, et c'est pas le seul qui soit dans cette situation. Ou bien, quand ils ont changé le pied, ils ne l'ont pas remis d'une façon tout à fait parfaite. Ça peut être ça aussi. Alors voici donc une photo que j'ai trouvée dans les archives ici, qui date de 1895, et on voit un bénédictin à côté. Le cosmographe a un pied qui est le même pied que les autres cosmographes qu'on a vus jusqu'à présent. Et pas du tout celui qui existe maintenant. Donc le pied d'origine était bien le même. Alors, maintenant la date. Sur le cosmographe, une plaque indique 1864 à la jeunesse studieuse. Est-ce que c'est l'année de construction du cosmographe? Je pense pouvoir affirmer que non. En effet, dans une lettre envoyée au maire de Nîmes en 1863, en été 1863, Ouvière signale que, bon, il mentionne ses différents soutiens intellectuels et il dit à la fin de ce paragraphe « et plusieurs cosmographes publics sont déjà élevés sur des places publiques à Paris, à Vanves, Pavanne, à Montpellier, à Sorez. Nous sommes en été 1863, au moment de l'exposition à Nîmes. Donc, je pense que le cosmographe de Sorez est arrivé à Sorez avant l'été 1863.
Et il est très certainement arrivé après l'été 1861, parce que quand le Houvière envoie des lettres à l'Académie des sciences de Paris et à l'Académie des sciences de Bordeaux, et à Bordeaux, j'ai rien retrouvé, hein, il ne mentionne pas le cosmographe de Sorèze, il mentionne celui de Vence, c'est sûr, celui de Montpellier, je ne suis pas très sûr. En tout cas, en été 1861, il n'est pas là. Mais le plus inattendu dans tout ça, c'est que quand j'ai fouillé dans les archives de l'école, et en particulier dans les élèves inscrits à l'école de Sorèze, je suis tombé sur un Paul Houvière. Paul Houvière. D'où vient ce Paul Houvière? Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver l'état civil de ce Paul Houvière, bien que dans le document de la mairie, il était mentionné dans l'état civil. Mais j'ai malheureusement redécouvert ce document d'état civil très récemment, après avoir fait toutes mes recherches. Mais ce Paul Houvière est le fils de François Houvière. C'est son fils. Et ce fils est venu, c'est un de vos collègues, il est venu entre 1861 et 1863. Donc, c'est un Sorèzien. C'est un Sorèzien. Et j'ai finalement retrouvé un certain nombre de choses au sujet de ce Paul Houvière. Il avait une sœur, Marie-Rose, et il a été témoin à la naissance de 3 de ses 5 enfants. Le premier, le deuxième et le dernier. Entre 1866, il venait de sortir de Sorèze, il avait 20 ans. En 64, en 66, il avait 22 ans, il était bachelier, il est nommé comme bachelier. Et puis l'année d'après, ou 68 plutôt, eh bien on le retrouve comme étant un architecte ou un ingénieur civil, selon les sources. Et puis, encore un peu plus tard, on va le trouver comme rentier. Bon, il a fait fortune. Et il va se marier quelques temps après, 1874, je pense. Et après ça, je n'ai pas retrouvé de traces, et notamment, je n'ai pas retrouvé son acte de décès, malgré... J'ai consulté des centaines et des centaines de pages des archives à Marseille, et bon, j'ai trouvé des choses, mais je n'ai pas trouvé tout ce que j'aurais voulu. C'est pour ça que je fais appel à vos sources et à vos archives, si jamais vous trouvez des choses qui concernent ou bien le cosmographe de Sorèze, ou bien même éventuellement un autre, puisque je les ai tous étudiés. Je ne vous présente ici qu'une seule partie de mon étude, mais cette étude générale m'a permis quand même de faire des comparaisons, de faire une étude comparative, donc je pense un peu plus argumentée, sur celui de Sorèze. Donc si jamais vous trouvez dans les archives de votre famille, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir été ici, mais aussi à avoir été des enfants ou des petits-enfants de Soréziens, eh bien je serais extrêmement preneur de ces sources d'informations. Ce que vous venez d'expliquer, oui, nous permet de penser, oui, que nous avons été privilégiés par le fils de Houvière. C'est possible que Houvière l'ait offert à l'école, parce voilà. Parce qu'il l'a offert à Henri IV, déjà. Ouais. Au lycée Henri IV, il a été offert. Il a été installé par Houvière lui-même. C'est possible. Pour ce qui concerne Vanves, je n'ai pas pu savoir. J'ai aussi autant de difficultés à trouver les archives d'échange ou d'achat pour Vanves que pour Sorèze. Mais parfois, quand même, il y a des archives qui indiquent non seulement qu'il était acheté, mais qui indiquent le prix. Alors, en général, c'est 600 francs de l'époque. Je ne sais pas si ma conversion à 2 400 € en multipliant par 4 est correcte ou pas, parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, mais c'est sur Internet, c'est les choses que j'ai pu trouver, mais ça va du simple au double, donc c'est pour ça que j'ai des doutes. Si vous avez des connaissances à ce sujet, je suis aussi preneur, bien sûr. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est la lettre... Et ici, l'acte de naissance, donc, de Paul Houvière. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit... Oui. C'est inscrit, là, sur l'image d'avant, sur les places publiques. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que le parc de l'école, c'était en second lieu? Non, je pense qu'il n'était pas public à l'époque. Mais vous savez, Houvière n'est pas toujours extrêmement précis. Et il prétend qu'il en a mis à Londres et à Rome... Bon, à Londres, j'ai trouvé la trace du cosmographe portatif qu'on va voir dans un instant. Mais probablement pas d'un cosmographe monumental. À Rome, il a été en contact avec un abbé, l'abbé Secchi, qui était un spécialiste, qui était directeur de l'Observatore Romano,
mais j'ai pas l'accent. En tout cas, il a dû le rencontrer, ils ont discuté de l'installer à Rome, mais j'ai rien trouvé. À Bordeaux, il a été exposé à Bordeaux. Il a été exposé en 1865 à Bordeaux. Mais c'est pareil, il n'a pas dû rester. Il fallait que la commune achète. Comment ? Il fallait que la municipalité achète. C'est ça, en théorie. Mais vous savez, pour le cosmographe d'Aix-en-Provence, il avait proposé à 900 francs. La municipalité a refusé. Il dit clairement dans ses lettres que ce n'est pas une affaire d'argent et qu'il est prêt à le céder pour 300 francs. Donc il a coupé le prix en 3. Et à ce moment-là, la ville l'a pris. Malheureusement, celui d'Aix-en-Provence a été vandalisé 4 ans plus tard. Et il est tombé et il s'est brisé. C'est pas nouveau. Qui se permet de faire une reproduction en miniature du cosmographe. Oui. On peut se promener avec. Oui, mais il n'y a pas que les fadas qui font ça. Ouvière lui-même l'a fait. Ah bon, oui, oui. Ouvière l'a fait. Je vais vous le montrer dans un instant. Mais bien à l'heure actuelle. Oui. Je ne sais pas si M. Jean-Pierre, qui a refait la tige centrale, était un fada, mais je ne crois pas. Et lui, il a fait un modèle en résine de ce cosmographe. À l'heure actuelle, ça serait. Non, pas vraiment, pas vraiment. Mais je pense qu'il y a moyen de réhabiliter quand même cet objet. Vous savez, il y a peu de personnes qui ont consacré autant de temps que moi et autant d'acharnement. Et il y en a qui essayent de me piquer des choses, en plus. Je suis heureux. Alors voilà, nous avons ici une photo aérienne qui date de 2010, où on voit bien le cosmographe. Il est là. Et il est là depuis longtemps, mais les photos plus anciennes ne sont pas très nettes. Donc j'ai choisi simplement une photographie. Et en fait, on voit bien le bouquet d'arbres, n'est-ce pas, qu'on repère sur une des maquettes ici. Il est 4h10. Là ? Ah ! Mais vous posez une très bonne question. Je vais vous dire quelle heure il est. Il est à peine midi. Il est quelques instants avant midi, parce que vous voyez, l'ombre, elle se dirige pas tout à fait vers le nord, mais presque vers le nord. Quelques instants plus tard, l'ombre sera à peu près comme ça, donc un peu plus à droite, et là, il sera midi. Mais on n'a pas fini, on n'a pas fini. J'espère bien. Alors justement, voilà le cosmographe portatif dont j'ai la joie de posséder. Je l'ai trouvé sur Internet en 2011. Les enchères ont monté assez haut quand même. Il vient de Nice. Et Nice, il y a aussi eu un cosmographe. Il vient de la ville de Nice. C'est un brocanteur de Nice qui l'avait mis sur eBay. Et les enchères montaient. Je pense qu'il y a eu pas mal de produits parce que la ville de Nîmes avait demandé, quand ils ont acheté leur cosmographe de l'Esplanade à 600 euros, que Ouvière fournisse 8 petits cosmographes pour les écoles primaires, les classes supérieures des écoles primaires et les lycées. Et ils ont été envoyés parce que j'ai retrouvé en fait le récépissé de réception du document à Nîmes. Nîmes est une ville assez intéressante pour le cosmographe, de même que Montpellier aussi, mis à part les pirates. Donc ça, c'est celui que j'ai la joie de posséder. Et comme vous voyez, ici et là-bas, il y a une goupille et il est mobile. Donc on peut l'utiliser à n'importe quelle latitude, c'est-à-dire on peut incliner l'axe d'épaule comme ceci. On peut l'incliner vers le haut ou vers le bas en fonction du lieu où on se trouve. Et c'est le seul où l'horizon commence à avoir une petite existence. Mais il n'est pas marqué. Il est juste pointé par 2 points. Je vais vous poser des questions. Oui. À quelle heure vous avez pris la photo? En fonction de l'ombre. Non, mais je vais essayer de vous répondre. Non, c'est le soleil. C'est au soleil. Ah, c'est le soleil. Oui, c'est au soleil. Il y a une chose dont je ne me rappelle pas, c'est comment j'ai orienté l'écran derrière. Donc je ne peux pas vous répondre.
Mais je vais essayer de vous étonner encore un peu. Mais vous vous observez régulièrement. Bien sûr, je le montre. Je ne l'ai pas amené ici parce que c'est un peu... Mais la prochaine fois. Mais je vais revenir, vous inquiétez pas. C'est haut ou 30 cm. Ah, 30, d'accord. Oui. Je pense qu'il y en a un autre qui suit là. Voilà. Ça, c'en est un autre qui se trouve, lui, à Draguignan. À Draguignan, il y a eu aussi un cosmographe qui a été exposé. Il a disparu. Et ils ne savent pas où il est. Mais il y avait quand même eu ce petit modèle. Et aussi à Nîmes, dans le musée de l'ancien Nîmes, ils ont deux exemplaires de ce cosmographe. Mais ces deux exemplaires ne viennent pas des envois d'Ouvières parce que c'est des dons de particuliers. Et j'ai repéré tous ceux que j'ai pu trouver sur Internet. Il y en a un autre qui est... Je ne sais pas s'il est là, d'ailleurs. Non, j'en ai pas mis d'autres. Mais il y en a deux qui ont circulé récemment sur Internet. Un qui a été vendu assez cher et l'autre qui ne s'est pas vendu à 800 euros. Et il y en a aux États-Unis. Je pense qu'il y en a au Planétarium Adler. Dans les années 60, j'ai trouvé la trace d'une vente à Drouot. Il y a eu une vente il y a quelques années aux enchères à Angers, je crois, ou Angoulême, je ne sais plus très bien. Enfin, j'en ai retrouvé un peu moins de 10, mais c'est complètement aléatoire, cette recherche. Soit on tombe dessus, soit on cherche pour rien, quoi. Mais je vous assure que j'ai beaucoup cherché pour rien. Alors, je termine. Vous avez encore un petit peu d'écoute Oui. Je termine avec un des derniers dispositifs proposés par Ouvières. C'est de dire que je passe à la partie basse. L'œil étant à l'extrémité de la tige de l'axe. Donc il faut se rapprocher de la tige et il faut une échelle au moins. Mais peut-être qu'un aménagement permettrait de le faire. Un aménagement autour du cosmographe. Donc l'œil étant à l'extrémité de la tige de l'axe, l'intérieur de la plaque de l'équateur, le cercle donc de l'équateur, la partie interne, se projette sur la circonférence du cercle polaire. Donc en fait, quand vous regardez l'intérieur du cercle polaire, l'intérieur de l'équateur, vous voyez dans le ciel la position du cercle polaire, où se déplace le pôle de l'écliptique. J'en dirai pas plus sur le pôle de l'écliptique, mais en revanche, je vais vous montrer concrètement ce que ça veut dire. En fait, quand vous mettez votre œil à l'endroit ou à proximité de l'endroit où il y a la flèche ici, bon, c'est bien, ça n'a pas bougé, eh bien, vous voyez le cercle que j'ai souligné en rouge ici, représente dans le ciel la position du cercle polaire. C'est quand même magique. Même si ça n'a pas d'usage particulier, sauf de montrer le chemin de l'écliptique, c'est un peu ça. Le chemin de Sorèze. Jérémy, Sorèze, c'est le centre du monde. Ben vous voyez. Hein. Alors, je vais rester vers le pôle et observer donc les étoiles de la nuit qui tournent autour du pôle, exactement comme le soleil. En fait, j'ai pris cette photographie le jour du solstice d'été 1986 à Paris, sur le même toit, et j'ai photographié 16 fois le soleil sur la même diapositive. C'était assez délicat à mettre au point, et puisqu'il y a 16 prises de vue sur le même fond. Et c'est ça qui est un peu étonnant, vous avez l'étoile polaire. L'étoile polaire qui est là, vous ne la voyez pas. Et moi, je l'ai vu avant de faire la prise de vue. J'ai mis mon appareil. Déjà, j'ai stabilisé l'appareil pour qu'il ne bouge pas. J'avais un contrepoids de machine à laver qui tenait mon pied. Et j'ai pointé l'étoile polaire avant le lever du jour grâce à un téléobjectif. Et ça m'a permis de placer correctement la position du plan film vers l'étoile polaire. Ensuite, j'ai changé d'objectif. J'avais loué un objectif fisheye, 180 degrés d'ouverture. Et j'ai pu photographier donc la moitié de l'espace devant moi et autour de l'étoile polaire, c'est-à-dire j'ai photographié dans le cadre de la photographie tout l'hémisphère céleste nord. Et ce jour-là, eh bien, le soleil s'est levé à l'est, nous regardons vers le nord, l'est est là, première photographie juste après le lever du soleil, et ensuite une photographie toutes les heures avec une ouverture du diaphragme toutes les 4 heures. Nous sommes à 8 heures du matin. Nous sommes à midi, 16h, et vers 20h, pardon.
Vous veniez chaque fois. J'étais sans arrêt en train de monter sur mon toit. J'ai pris des risques. Hein. J'habitais en fait sous les toits. Il y avait un balcon qui donnait accès au toit, donc je crapahutais. Un jour, j'ai failli tomber d'ailleurs. Mais bon, j'ai pu faire toutes ces photos sans encombre. Et j'en ai fait énormément. Et tout ça, c'était pour accompagner mes cours de cosmographie, en fait. Mais ça sert aussi à expliquer le cosmographe. Donc vous avez le trajet. Et en fait, ce trajet, eh bien, dans le ciel, ça correspond au tropique du Cancer. Cercle céleste qui est indiqué par les petites tiges sur le cosmographe, mais qui n'est pas complet. Voilà, j'ai presque fini. Je crois qu'il nous reste simplement une seule vue. Et là encore, on va faire de l'interprétation. On revient au premier cosmographe de 1855 et on regarde de près l'ombre à l'intérieur du cercle équatorial. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce cercle équatorial nous montre qu'il y a une ombre portée ici et en dessous un filet de lumière. Donc, nous sommes au moment de l'équinoxe. Ce moment d'équinoxe, c'est à coup sûr le 23. Bon, j'ai plus la date en tête, mais l'équinoxe a eu lieu le 23 septembre 1855. Ça ne peut pas être le jour de l'équinoxe, parce que le jour de l'équinoxe, le soleil aurait complètement, enfin l'ombre aurait complètement couvert ce cercle. C'est le lendemain, quand le soleil est passé en dessous de l'équateur, nous sommes en septembre, et donc c'est le 24 septembre 1855. Le cosmographe peut être aussi un outil de datation. C'est magique. Voilà, j'ai fini et je vous remercie de votre écoute. Mais non, mais monsieur, la cosmographie a été abandonnée en 1960, faute de prof. Et est-ce que les cosmographes ont été véritablement utilisés ? Je pense que oui. Bon, maintenant, à Henri IV, plus personne ne le connaît. À Vanves, c'est pareil, ils ne connaissent pas bien, mais il y a une prof historienne qui a été assez intéressée par les échanges qu'on a eus et qui a aussi besoin de beaucoup de réflexion. Les archives, en général, ont été plutôt intéressées à mes investigations, donc m'ont quand même pas mal aidé, en général, on peut dire. Parfois, il fallait les relancer, mais... Il a eu une presse extrêmement favorable à l'époque. Voilà. Beaucoup. À un moment donné, ça oui. Pas duré disons que. Je ne sais pas. Déjà, Ouvière est mort. Il est mort subitement. Hein. Oui. Il était en pleine action. Il essayait de propager. Donc ça a sans doute coupé les choses. Ses enfants n'ont pas eu l'air de s'occuper tellement de ces choses-là. Donc les cosmographes ont été diffusés pendant de 1855 à 1867, 12 ans. Donc en 12 ans, il n'y a pas vraiment moyen de mettre en place des choses très, très performantes. Et puis, bon, c'est quand même un investissement. Voilà. Mais je pense que de nos jours, avec la crise de l'environnement... apprendre les mouvements apparents du soleil, c'est tout à fait porteur et ça ouvre un peu d'espoir et d'émerveillement pour le ciel. Merci beaucoup, mon cher Jean-François. Il y a des questions ? Se trouve le cosmographe à Montpellier ? Il est caché. franchement, si je commence à vous parler de Montpellier, je vais être méchant. Mais je vais vous dire quand même où il est. Il est dans l'école d'agriculture Supagro. Et là, il y a des gens qui sont vraiment pas fiables. Parce qu'ils ont essayé de me doubler sur des informations que je leur ai données. Et ils ont voulu en connaître un peu plus sans m'en parler. Mais en contactant Sorèze, en contactant les archives de Marseille, c'est un certain monsieur Fédite. Vous connaissez ? Monsieur. J'ai dit à un certain monsieur Fédite a essayé de pirater mes travaux de l'université de Montpellier. Bon. Il y a d'autres questions ? Merci.
Bon, tout d'abord, merci pour cet exposé assez détaillé et très scientifique à mon goût. Tout en disant que ce qu'il y a à regretter, c'est que ce cosmographe n'ait pas été vulgarisé et de façon à ce qu'il ait une utilité plus pratique pour le commun des mortels. Parce que c'est vrai que rester qu'à calculer les équinoxes, etc., bon, c'est vrai que ça touche un certain public, mais un public limité. Donc ce que je souhaite, c'est qu'un jour vous publiez vos travaux et qu'on puisse vous lire et disons vous comprendre. Parce que tout n'est pas si facile à comprendre que ça au cours d'un exposé. C'est intéressant, mais disons que déjà vous nous avez dégrossi ce qu'on observait pendant des années et qu'on n'a jamais compris à quoi ça servait. Donc déjà là, on en sait un peu plus, et que maintenant qu'on va aller se promener dans le parc et qu'on va regarder le cosmographe suivant le temps et suivant la position du soleil, on va se poser des questions. Attendez-vous à avoir des coups de fil. Bon, le problème maintenant, c'est oui, c'est d'avoir une suite. Oui. Une suite, c'est votre publication, et je pense qu'on va être amené à vous reprendre, à vous faire revenir à Sorèze, mais ça c'est pas un problème, on sera toujours content de vous avoir, mais dans d'autres réunions des anciens dans différentes villes de France, afin de donner un peu plus d'ampleur à cet appareil, à ce cosmographe de Sorèze. Alors moi j'avais compris que le cosmographe de Sorèze était bien positionné. En direction nord-sud, oui. En direction oblique. Enfin, l'axe d'épaule, c'est pas sûr. D'accord. Bon, merci beaucoup quand même, parce que d'abord, on a une assistance qui est vachement sympa. 1h30, chapeau les gens. Je vois que le cassoulet n'était pas mauvais. Votre digestion n'a pas été trop dure. Maintenant, c'est vrai que le conférencier était intéressant, ce qui vous a maintenu en éveil, ce qui n'est pas évident non plus. Donc, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois, tous. Et M. Audet, je vous donne rendez-vous bientôt. Ok. Merci. Je voudrais ajouter que je suis à la recherche d'un éditeur. Donc, si quelqu'un peut me proposer des contacts. D'un éditeur pour mon... Parce que j'ai fait une étude générale sur tous les cosmographes. Un éditeur, à Sorèze. Ben, oui. À Montpellier, je ne vais pas éditer à Montpellier, ça c'est sûr. À moins que je tombe sur quelqu'un qui est fiable, mais oui, pourquoi pas, Montpellier, à la limite. Vous pouvez éditer genre la cosmographie pour les nuls. J'aimerais pas ce titre, parce que je n'ai jamais pris mon auditoire pour des nuls. Non, non, mais c'est clair. Je sais très bien que c'est très difficile comme discipline. J'ai bien vu mes étudiants galérer et je leur ai fait faire des choses vraiment pas faciles du tout. Je leur proposais de tracer l'ombre des bâtiments le jour de l'équinoxe. Bon, grâce à des lignes droites quand même, mais malgré tout, une ombre qui circule, déjà un tracé d'ombre, c'est pas simple, mais tracer des ombres qui circulent, bon, et il y en a qui étaient vraiment très très forts. Je crois que nous avons terminé. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci. Très bien. Tant mieux. Super, super. Non, là. Mais bon.